Salut c'est Ga, c'est Raval, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin sur FIFA 14. Et oui, je l'ai depuis pas si longtemps, parce que je l'ai pas eu dès le début, moi j'ai eu un petit problème pour le trouver. Vu comme ça je suis sur Bordeaux, je peux rien faire, j'ai pas pu l'acheter sur Bordeaux, je devais attendre d'être le week-end, et j'ai eu des problèmes pour le trouver. Mais j'ai trouvé au final. Ça doit faire ouais, ça doit faire quoi? Peut-être une petite semaine que je l'ai un peu plus, ouais, le week-end dernier je l'ai acheté, pas celui-là, celui d'avant. Et donc je me suis fait un peu d'argent. Donc là, vous voyez, j'ai 14 000 crédits et j'ai deux équipes, dont une de vous présenter qui sera mon premier squad builder sur FIFA 14, une Bundesliga low cost. Donc écoute, je crois 9 000 crédits. Ouais, 9 000 crédits. Donc en 4-3-3, on va commencer par le gardien. Le gardien, c'est Adler. Donc niveau gardien, j'ai quand même assuré. Enfin, je l'ai eu dans un pack, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais il avait des belles stats, franchement, et il est bon en match. Il est bon, je veux dire, il fait des arrêts. Après, il y a des arrêts, vous connaissez les gardiens de FIFA 14, hein, je veux dire, vous avez beau mettre Neuer, je pense, il prendra quand même le but. Mais franchement, il est bon, j'aime bien. Ensuite, le premier défenseur central, bon, vous verrez le Despara, le premier, c'est pas lui. C'est pas lui exact, c'est Toprak. Donc, Toprak, ça m'a étonné qu'il soit que hors noir. Mais il est bon en tout cas, 77 de vitesse, donc assez rapide, 80 de défense, 73 de physique. Il est bon de la tête et physique ça va, mais si tu tombes sur un joueur assez physique en attaque, c'est vrai qu'il a un peu du mal. Mais pour 500 crédits, il fait l'affaire. Le deuxième, vous l'avez vu, c'est Abraham. Donc Abraham, très bon aussi, moins cher, 400 crédits. Mais je dirais peut-être un tout petit peu moins bon parce qu'il est un peu plus petit. Il est. Ah non, il est plus grand. J'ai de la merde, désolé. Il est un peu plus grand. Pourtant, on dirait pas sur le terrain, il est plus petit. Va savoir pourquoi. Il est un peu plus lent, mais plus physique. Donc, ça se compense. Franchement, la charnière centrale est plutôt costaud. Le latéral droit, c'est Hawks. Donc, un joueur pas tellement connu. Il joue à Wolfsburg, c'est tout simplement parce qu'à droite, il n'y a pas tellement de choix. Pour 400 crédits, il est correct. Il n'y avait pas tellement de choix, c'était soit Piszczek, mais écoutez, une blinde, ou alors c'était autre chose. Juste mettre Bundesliga, ça me fichait de trouver tous mes joueurs à chaque fois. Hop. Ou alors c'était une blinde, ou alors voilà. L'autre, Wendt, c'est un que j'ai vu dans les packs aussi, pack de Neymar, je crois. Peut-être même pas, je sais plus. Mais il est pas mauvais. 75 de vitesse, 73 de fixe, 73 de défense, 74 de passe. Très complet, je trouve. Et il tire bien les coups de pied arrêtés, il a des bonnes stats de coups de pied arrêtés. C'est lui qui tirait mes corners. C'est pour ça qu'il a 4 passes décisives. Mais franchement, ouais, il était bon. Le premier MDC, c'est Bérami. Donc le Suisse qui est très très bon, très physique. Dans son rôle de milieu défensif, il est très bon. Et de relanceur. Après, niveau offensif, il n'a pas une frappe de ouf. Mais niveau défensif, il est très très bon. Le deuxième, c'est Rode, Sébastien Rode, qui joue au Bayern. Donc lui aussi. Alors lui, c'est peut-être la plus grosse surprise. Tout simplement, vous verrez un clip de lui après. Pas un long shot énorme, mais un petit long shot que j'ai bien aimé. Et il est très complet. Et malgré qu'il ait que 61 de tir, je trouve qu'il est plutôt bon devant les caisses. Il a quand même marqué 4 buts. Pour le milieu défensif, ça reste sur 18 buts, c'est pas énorme. Mais vous voyez que je suis quand même. C'est assez défensif quand même où ils sont placés. Donc je suis content. Et très très complet, vous voyez. Plein de stats à 75 environ. 450 crédits, pareil, pas cher. Le MC, c'est pas un MC, c'est un MOC de base, mais alors à l'époque quand j'ai fait l'équipe, j'avais pas l'argent pour changer la carte. C'est Maxime, donc un joueur 5 étoiles. Hein. Il m'en fallait bien. Hein. Alors lui, il est. Je sais pas. Il est pas mauvais, mais il est pas énorme. Il est pas super rapide, il a peut-être une bonne accélération, mais pas rapide. La frappe dans la surface, ça va. En dehors, c'est un peu limite. Dribbleur, ça va, 5 étoiles heureusement, mais des fois il galère un peu à faire les dribbles. Mais bon, sinon dans l'ensemble il est pas mauvais. Ensuite, un AG, donc Son, Yeung Min Son, un petit coréen, qui est très très bon, acheté pour 950 crédits, 5 étoiles mauvais pieds, donc il a les deux pieds. Gaucher de base, je crois même, malgré toi que ça gaucher à gauche, il a les deux pieds donc c'est cool. 86 de vitesse rapide, bonne frappe et voilà. Franchement, j'ai bien aimé, il était bien. Le deuxième, l'AD plutôt que le deuxième AG, c'est dur. C'est Sam. Donc Sam, encore un joueur rapide avec une bonne frappe. 14 de technique. Il est bon, franchement, je l'ai acheté que depuis 3 matchs parce qu'avant je l'avais à note, mais il y avait Virina, mais il me convenait pas trop. Et je l'ai acheté. 1900, c'est mon joueur le plus cher, clairement. Mais franchement, il fait la diff. Il fait vraiment la diff parce qu'il
il t'amène de ses occasions, c'est franchement c'est vraiment cool. Il t'amène de ses débordements sur des centres, qui te la remet sur le buteur, il peut te avec sa vitesse quoi, il peut passer une défense. Et le buteur, autre que Salomon Kalou, acheté 1000 crédits, donc 83 d'utilisation, 17 de tir. Une grosse frappe niveau puissance de frappe, mais après pas tellement niveau précision. Et voilà, il est bon pour 1000 crédits. Donc voilà l'équipe. 4-3-3-3. À la base, j'ai fait un 4-2-3-1, mais je trouve ça vraiment pas assez offensif du tout. J'ai changé. Et voilà, donc 9000 crédits. Plutôt compétitif, franchement. À changer le MOC ou MC si vous voulez mettre un autre. Parce que, enfin, moi, j'ai voulu garder un joueur 5 étoiles quand même. C'est pour ça que je l'ai mis, mais franchement, ça m'aurait pas dérangé de changer. Je me suis trompé. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette équipe vous plaira. N'hésitez pas à la faire. Si vous commencez fut, vous avez 10 000 crédits, une équipe compétitive, elle fera largement l'affaire. Et voilà, on va reprendre la série Un billet pour. Et je pense qu'il y aura un épisode qui devrait sortir très prochainement. Donc voilà, pour la petite info. Sur ce, je vous dis, profitez bien des clips. Bye tout le monde.